Zelda Legend of Link. Donc, on vient d'arriver dans Dark World. On est capable de passer d'un à l'autre avec la flûte. Donc, il y a probablement beaucoup de corps de cœur qu'on peut trouver sur la carte pour se booster un petit peu. Sinon, on peut aussi se diriger vers le premier donjon qui est sur le bord de l'eau par là-bas. Ah, ok, c'est ça. Ok, mais là, on est dans Dark World. C'est pas le même cas. Ah, oui, c'est vrai. Les magasins semblent pas changer en fait. Oh Alex, notre argent, notre précieux argent. Qu'est-ce que t'as fait? Ça va juste mener à côté de l'enfant. Ouais. C'est quoi de mystérieux avec ces grottes-là par exemple que je cache pas? Peut-être plus tard. Tu es où le donjon? Tu gères? Oui, je vais explorer. Oui. Okay. Toi, tu vas être bloqué ici. On avait été en haut. Piqué partout. Presque. 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 Tu dois passer à travers la sonde encore. Parce qu'on n'a pas été dans le Dark World. Je m'attendrais à ce qu'il y ait des affaires un petit peu plus cachées que ça. Tu vas voir, il y en a. Surtout dans les montagnes, les affaires. Ça, je m'en doute quand même. Passer un peu plus partout maintenant. Ah! C'est pas ça dans l'autre monde. Non. Fait que ça prend la plume et et l'habileté de sauter par-dessus les trous. Wow! Notre premier cœur, notre corps de cœur. Et voilà. Donc, si tu fais start, on voit qu'on a un corps. C'est bien joué, Alex. Là. Non, okay. Oh, regarde, t'es sorti. Ok. Ça prend. Dans l'autre monde, par exemple, on peut passer, c'est des roches. Ah, une serrure là. Où ça? Ah. Sur la tombe là. Un 10 clés. Ok. Ah, ça prend une bombe. Ou courir dedans. Mais comme on n'a pas tant de monde que ça. Ouais, là c'est pas star vite un peu. La flèche en haut, c'est génial. Le start. Si tu vas sur la plume, ben c'est ouvert au moins. Ouais, c'est ça. Et. Ah, ça vaut toujours la peine parce qu'il y a un donjon à côté. Putain. Fait que là, on peut pas passer ici, mais oublie pas que si tu peux pas passer dans un monde, tu peux peut-être passer dans l'autre. Ah, là, c'est un trésor. Là. Mais ça prend pour descendre, ça prend. Ok, marteau. Marteau. Bon, j'ai rien dessus. Ça doit être la même affaire. Non! Ah, ok. Va là-bas. Non, peut-être. Non, je crois pas ça. C'est pour faire un long jump. Non, mais ça coupe pas. Non. Sinon, le thème aurait plus de sens. Wouh! C'est une façon d'économiser une bombe quand t'es cheap. Je suis cheap. On est cheap, on économise nos bombes. Ah, c'est pas le même magasin, ok. Ça veut dire qu'on peut pas se fier que si c'est un magasin dans un monde, c'est le même dans l'autre.
l'esprit. C'est mal. Le mal. Ah, tu vois là, tu peux passer à côté. Tandis que dans l'autre monde, c'est des bâtons de bambou. Et les bâtons de bambou, ça se casse pas avec l'épée. Ok. Si tu rechanges le monde, ça fait quoi? Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une clé là aussi, comme là. Dans l'autre, ça avait ouvert là. Ah, là, ça ouvre de quoi là? Ouais. Faut pas trop en ramasser là-dessus. Une serveur au milieu. Ah. Une grotte. Ok, se téléporte ailleurs. On se promène sous terre. Ah, voilà. Ok. Ouais, ça, t'avais vu dans l'autre, il y avait un trésor tantôt. Non, c'est la main. Hein, c'est un cul-de-sac. Va-t'en. Va-t'en. Ok. Alors, va-t'en. Ok, ça c'est bizarre. Ici en haut. Ah, mais il y avait un trésor dans ce monde-là. Tout ça un trésor. Tantôt on l'a vu en haut. Ici dans le dark, dans le monde vert. Non, ici ça c'était bloqué par ça. Puis là il y avait un trésor ici. Puis dans l'autre monde, t'avais une série. Donc, on va prendre un trésor, on peut prendre facile. Yay! On se téléporte. Il monte un peu. Et vas-y. Ah, et c'est quel donjon? 5. Est-ce qu'on a tout pour le faire, tu penses? Même si on n'est pas rendu là. On essaye. Ce qui est fun, c'est de pas toujours faire tout dans l'ordre. Ça, c'est une musique du Super Nintendo. Je vais aller là où il y a une bombe. Est-ce que je vais là? Bombe ou je peux courir? Tu pourrais sauter puis courir, mais je te dirais, va vers la bombe. Quoi. Si c'est basé sur le donjon 5, ils sont bien basés sur les vieux donjons, il y avait une arme par là. C'est là qu'on ramassait la flûte, mais là on a déjà la flûte qui est peut-être un enfant. Ça, je pense qu'à lui, il donne des livres ou quelque chose. Là. Mais ça va être facile parce que c'est les gars en uniforme sont faciles. Plus. Ouais, qu'avant, parce que c'était vraiment un combat de ch'ting, 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 ch'ting. C'était mon imitation de l'épée de Link qui bloque contre l'armure des Dark Knight. C'est des Dark Knight en fait, ça. Les bruits de police sont pas dans le jeu. Je suis spécifique. Ok, les bruits de police sont dans le jeu. Mais là, Alex, t'es en train de tout fucker les gens. Tu fais le donjon 5 dans l'épisode 5, alors qu'on devait faire le donjon 4 dans l'épisode 5. C'est notre séquence à nous. Vous devrez la respecter si vous faites comme nous. Vous me suivez, alors voilà, on casse le jeu. Et c'est le plaisir de Zelda, des vieux Zelda, c'est de pouvoir le faire dans l'ordre qu'on veut. Allume ta lumière. En bas. Oui, je me rappelle. Il y avait l'upgrade de bombe en bas. Tu te rappelles? C'est en bas? Ouais, en bas, il y avait l'upgrade de bombe, à droite. Ah. Et ça, es-tu capable? Ok, ben attends un peu, remonte. On va aller, à gauche. On va aller à gauche. Mais... Ah, c'est pas grave, les clés en vendent à 60 places, j'ai vu une place. On a trop d'argent, anyway. Ah, tiens, c'est tes amis. Oh, ça les tue pas un coup.
grappin. Ça n'existait pas dans Zelda 1. Et c'est comme ça qu'on va traverser plus facilement. Le hookshot. Moi, je l'appelle le grappin. Le grappin. J'ai juste des L plutôt que L. Incroyable. Jugez-moi. Ok, on va aller en bas maintenant. Parce que tu peux traverser. T'équipes ton grappin. Ah ouais? Ouais. Tu peux traverser maintenant avec ton grappin. Parce que tu peux attraper n'importe quel mur. C'est un vrai de vrai grappin. C'est pas comme les grappins des nouveaux Zelda où il faut que tu agrippes juste une sorte de patente. Une texture quelconque. Go! Spider-Man. Plus proche. Yeah. Kawabunga. Ah, mais c'est la statue. Alors, ce qu'on n'a pas vu, c'est parce qu'on n'a pas exploré beaucoup, mais il y a un Goron qui nous demande une statue, une poupée qui nous ressemble. Qui dit qu'il a perdu sa poupée qui nous ressemble. Il y a ça qui part dans le jeu. Et tu sais d'où ce qu'elle vient, cette petite poupée? Tu l'as déjà vue dans ta vie. Ouais, c'est vrai. Encore, moi, je pensais que ce serait Zelda 2. Ouais, c'était des vies, exactement. La mécanique qui marchait pas du tout dans le jeu. Tu sais, si au moins tu les avais ramassées, il n'y en a pas tant que ça. Puis ça t'avait débloqué qu'à chaque fois que tu es game over, tu as plus de vie. Mm. Là, ça avait du sens, mais là, tu l'avais une fois, c'est fini. Il fallait que toutes tes économies, c'était aller chercher avant d'aller faire le boss final, si tu voulais leur donner un sens. J'ai toujours trouvé ça con. Ça aurait dû être des upgrades permanents. Comme les potions rouges donnent un upgrade permanent à ta barre de magie, t'sais. Ça serait donner une vie permanente de plus quand t'es game over. Surtout qu'il y en a comme 3-4 dans le jeu, pas trop. 3, c'est ça. Ça aurait pas été grand chose, me semble. Surtout pour un jeu extrêmement difficile comme Zelda 2. Pour la fin. Mm. Combien de gens vont s'être découragés puis être game over avant d'arriver à la fin? Juste avant de se rendre au château final dans la montagne de la mort, c'est épouvantable. Non, ouais. Le parcours de lave terrible. Bon, fait que là, t'as ton grappin. Ah! On peut aller voir ce qu'il y a à côté aussi, mais c'est pas obligatoire. Ok. On met un grappin. Je peux commencer par le grappin. Ça leur fait quoi? Ça les stun-tu, le grappin? Comme un bouin, ouais. Classique, là. Ok. Ben oui, tu peux attaquer en diagonale avec lui. Oh! Tu l'as tué. On a en masse de bombes. Deux bombes bien placées. Moi, mon truc, c'est que je le garde de dos pour qu'il vienne vers moi. Je reste de dos. Je fais dos à lui. Puis il marche vers moi, puis hop, je me retourne. Comme là. Voilà. Hey, ça a pris deux bombes, puis tu en donnes une. C'est... Ah, t'as ouvert la porte là, tu peux aller voir. J'ai des plus de vie. Ah non, fallait que c'est à distance là. Ah voilà, tire les. Oh, tire. T'as pas loupé. Vas-y, prends ton grappin. Ça, tu pourrais pas faire ça dans Zelda. T'étais pogné, genre. Ah non! Que vais-je faire? Je suis à moi. Oh, ça, on sait que t'aimes pas ça, cette pièce là. Mais là, t'es pas allé voir la pièce en bas qui prend le clip. Non. Non. Oh. Prends ton grappin. Oui. Ah. Je te le passe. C'est un jeu de patience. Je sais que t'es vraiment pas quelqu'un de patient, toi. Puis t'es toujours en train de tout casser tes claviers, puis faire des trous dans les murs. Taper sur les jambes. Drone d'amis. Non. Puis toi, ça.
battre des animaux, lancer ton chat dans le mur. Combien de télé t'as-tu t'as détruit de même en lançant ton chat? Je pense que ça leur fait mal. Ah! Zip! Je sais pas trop ce que tu fais en ce moment. J'essaie de courir après lui, mais il est con. Va en haut, là, prends ton grappin. Il est con. Il sauve. Mais c'est un peu le but hein, quand tu vas attaquer. Grappin. Ah! C'est pas ça. À côté, t'as-tu été? J'ai donné un coup de grappin, j'ai aucune flèche. Ouais, mais les deux vous êtes attirés un vers l'autre. Grappin? Tu penses que t'es capable? Non. Non, tu vas tomber dans le trou. À partir de là, peut-être. Si tu colles le mur puis tu tournes. Colle le mur là. Non. Si tu le fais en même temps. Ah, je sais. Non. Ouais. What the? Attends, je vais essayer de quoi. C'est instantané. Hein. Ouais, c'est ça. Pas, Non, non, ça, c'est dès qu'il. C'est pour ça que ça devient tellement plus difficile d'utiliser. Bon, on va oublier la map, mais nous, on n'a pas de besoin. Bon, on sait que ça coûte une clé, là, avant de. Ouais. Là, on a un cœur. On a-tu une potion, tant que ça? Je pense pas. Non. On n'a pas racheté. On n'est pas ce genre-là. Non, on n'a pas besoin. Ouh! Là, tu pourrais zipper vers le haut aussi, hein, pas te faire chier. Zip. T'es sûr? Non, on t'enlève, non? Tu t'en vas le chercher? Qu'est-ce qui se passe? Oh! Tout ça pour un compas. Ça m'a vraiment. On a vraiment besoin de savoir où est le boss. Une clé, merci, on s'en va. Il n'y a plus rien qui peut nous donner de bon, eux autres. Ça sent le café. Hein. Avez-vous remarqué à la maison à quel point ça sent le café dans la pièce? Hé, hey, toi, là, à la maison. Je m'adresse à toi, deuxième auditeur. Mais on t'apprécie beaucoup. Fois deux vieux. Non. Ben, quand on a. Pour combien de ça? Deux vieux. Non. Si on a 100 vues sur une vidéo, j'ajoute une bouteille de champagne. Mais on a mis Maggie qui faisait. Elle est rendue à 4100 vues. Elle danse sur musique de saxophone. L'humanité. Tu sais, quand on se force et on fait des gros vidéos, là. 2-3 views, tu mets un chien qui fait juste en loop, puis 4000 views. Plein de commentaires. Des gens heureux. On va-tu par là-bas? Ouais, ouais, c'est là que tu vas aller, c'est le boss, on a l'arme du donjon. En fait, je me demandais ce que tu faisais. T'essayais-tu de pousser ces blocs? Ouais. Ça sert à rien si c'est lui qui t'a donné une clé. Il donne jamais deux affaires dans cette. Un. Je pense que c'était programmé de même. Tu pouvais pas mettre deux affaires. On a vraiment pas de potion, hein? Pourquoi on n'a pas acheté quand on a vu la madame? Tantôt, on n'avait pas besoin. Il faut toujours avoir notre potion rouge de prête au cas où, à toute éventualité, de genre. Ah, ça, c'était pas là, par exemple, dans Zelda 1, le passage en haut. T'as-tu vu? Oh, t'es chanceux. Je suis pas sûr. J'étais pas mis dans le mur. Merci pour l'argent. Merci pour l'argent. Ces affaires-là donnaient beaucoup d'argent parce qu'ils se situaient mieux avec des flèches, puis les flèches coûtaient de l'argent. C'est pour ça. Ah! Une nouvelle pièce qui n'existait pas. Hein? Ah, peut-être le boss, il faut le tuer avec les flèches. Mmh. On n'a pas les flèches. Non, ça marche pas. C'est peut-être juste plus facile. Ben, c'était la scie, fait que ça prend la flûte, prend l'ocarina. Joue l'ocarina. Fais juste attention après quand il est petit parce qu'il va plus vite.
tape avec ton épée, mais faut que tu meurs. Tu peux le taper avec ton épée. Oh. Oh, 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 oh. Ouais, tu peux aller en haut. C'est la fin. T'es quoi en bas? C'est un cul-de-sac, c'est un piège. Ça a toujours été. Non! Tu te rappelles pas du piège? Mais pas. Pour vrai? Moi, je m'en avais tout le temps partout, là. Ouais, moi aussi, mais si je me rappelle bien que c'est un piège, là. Ça se referme derrière toi, puis faut juste tuer les monstres, puis ne donner rien de bon. Ah. Alors, c'était un autre épisode. On l'a pas fait dans l'ordre, on s'excuse, mais là, on a un grappin. Donc, on vient de casser le jeu. Yes. Voilà. On était dans le cimetière tant qu'à ça, tu sais. Cette enquête-là.